Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci encore à tous. Une fois de plus, merci, sincèrement merci pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous apporter encore une boisson rafraîchissante, jus de pastèque, au gingembre, betterave et citron. Simple à réaliser, il suffit d'avoir les accessoires et nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin du gingembre. Environ 100 à 150 grammes de gingembre. Il faudrait qu'on ait le goût du gingembre dans ce jus. J'aurai besoin de deux betteraves. La betterave est très, très, très bonne pour la santé. Le gingembre, pareil. Nous aurons besoin aussi de la pastèque. Donc, mélange d'eau. Nous aurons besoin, voilà, de la pastèque. Mélange d'eau, je laisse avec les graines. Ça ne sert pas parce que la machine va broyer tout ça. Ça ne sert pas d'enlever les graines. J'aurai besoin du jus de citron, environ 6 cuillères à soupe de jus de citron. J'aurai besoin pour sucrer un peu du miel. Voilà, le miel et le gingembre s'accommodent très bien. Voilà, ça c'est les ingrédients dont j'aurai besoin pour réaliser mon jus de pastèque au gingembre et betterave plus citron. Jus de pastèque, gingembre, betterave et citron. Simple, simple, simple. Nous allons passer à l'étape suivante. Passons à l'étape suivante. Maintenant, je prends mon appareil pour extraire le jus. Je place les morceaux de pastèque, de mélange d'eau, comme on dit aussi, dans l'appareil et je vais extraire le jus. Voilà, j'extrais le jus. Ici, par exemple, je ne vais pas ajouter d'eau. Je vais laisser ça comme ça parce que la pastèque est gorgée de beaucoup d'eau, Donc, c'est mieux de garder son eau et c'est plus goûteux. C'est plus savoureux. Voilà, je continue à extraire le jus. Et là, maintenant, je passe avec le gingembre. J'ai coupé mon gingembre en morceaux pour faciliter, pour aider l'appareil, tout simplement. Moi, je nettoie mon gingembre, je n'enlève jamais la peau. Je nettoie très, très bien mon gingembre. Ensuite, je coupe. Je n'enlève jamais la peau du gingembre. Voilà, je continue avec le gingembre. Ensuite, je passe à la betterave. Pareil, j'ai coupé la betterave pour faciliter l'appareil. Pour aider l'appareil à bien écraser le légume et les fruits. Voilà. La betterave. Et je continue ainsi de suite. Betterave, gingembre, pastèque, ainsi de suite. Jusqu'à ce que je vais épuiser mes produits. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, je vais filtrer. Moi, j'ai tendance toujours à filtrer, même si j'ai utilisé l'appareil à extraire le jus, j'ai tendance toujours à filtrer mon jus. Donc, c'est pas obligatoire. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais moi, c'est une habitude déjà. Donc là, je vais filtrer mon jus à l'aide d'un sac à filtrage pour égoutter, pour faire sortir le jus et laisser les déchets à l'intérieur. Voilà, je continue à filtrer pour extraire mon jus, pour avoir un jus plus pur, sans déchets, sans pulpe. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Et ensuite, je vais venir ajouter les autres ingrédients. Je passe maintenant au citron, 6 cuillères à soupe de citron.
Et ensuite, je vais sucrer un peu avec le miel. Choisissez si vous voulez sucré, c'est bien. Si vous ne voulez pas aussi sucré, c'est bien. Donc, à vous de voir ce que vous allez décider, sucré ou pas. Si vous allez utiliser le miel ou pas. Donc, à vous de voir. On va pas trop sucrer. On va pas masquer le goût de la pastèque avec du miel. Mais on va sucrer, on va doser le miel. Voilà, après avoir ajouté le citron, le miel, je vais venir mélanger l'ensemble de ma préparation. Ensuite, je vais servir ou mettre ça dans les bouteilles, mes bouteilles en plastique à nettoyer, attention avec l'eau savonneuse et rincer à l'eau vinaigrée. Donc, nettoyer à l'eau savonneuse, rincer à l'eau vinaigrée avec de l'eau chaude du robinet, pas l'eau bouillante, l'eau chaude du robinet. Si vous n'avez pas l'eau chaude du robinet, chauffez un peu votre eau et ajoutez un peu l'eau froide pour avoir l'équilibre. Et ensuite, vous faites sécher vos bouteilles. Dès qu'elles seront sèches, vous pouvez verser vos jus à l'intérieur. Toujours nettoyer, surtout les bouteilles en plastique qui gardent souvent les bactéries. Bien nettoyer. Voilà, si vous n'avez pas de goupillon, donc la brosse à biberon, utilisez une éponge propre. Vous mettez, vous secouez. Si l'éponge peut rentrer dans la bouteille, vous secouez très bien. Ça va bien nettoyer. Voilà, j'ai fini. Là maintenant, mon jus est prêt. Voilà, j'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Jus de pastèque au gingembre, betterave et citron. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci, merci et merci encore. On se retrouve à la prochaine recette. Soyez abondamment bénis. Merci à tous. Merci aux visiteurs, aux nouveaux, aux anciens abonnés et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne, au groupe de soutien que je suis ensemble avec vous. Merci à vous, au groupe de soutien, aux confrères youtubeurs et aux consoeurs youtubeuses. Merci de tout cœur. Soyez abondamment bénis. On se dit à la prochaine recette. Bye!